Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu, on est dans un décor magnifique avec des rochers hallucinants. Je ne suis pas venu ici pour vous parler de cailloux, je suis venu ici pour vous parler de topographie et de lecture de cartes et surtout utilisation de la boussole. Je vais vous montrer aujourd'hui les éléments de base pour lire une carte et pour utiliser votre boussole. Vous n'aurez pas besoin de plus pour vous repérer. Et vous allez voir que c'est très simple. On va voir ce qu'il y a dans le sac. Dans notre sac, on a une carte, une deuxième carte, je vais vous expliquer pourquoi, et notre boussole. Alors, j'utilise celle-ci pour l'explication, mais on en a d'autres. Une autre ici, une autre là. Déjà, on va parler des cartes. Qu'est-ce qui se passe sur les cartes? Il y a plusieurs choses à savoir sur votre carte. Alors déjà, ce qui est super quand vous emmenez vos cartes, c'est de les protéger dans des emballages comme ça, qui sont fermés de façon à ce que votre carte soit protégée de l'humidité. Parce qu'une carte humide ne tiendra pas la route si vous faites des longs treks. Donc déjà, protégez vos cartes. Ici, on a une carte qui nous donne une indication ultra, ultra importante. C'est ça. Regardez bien. 1,75 millième. Donc vous voyez, ce 1,75 millième, ça vous donne la distance qu'il y a avec la carte. Donc le plan aérien, la distance qu'il y a par rapport à la carte. Et vous voyez que c'est 75. Quand vous êtes à 75 millième, à 1,75 millième, vous êtes plus loin, mais du coup, vous voyez moins les petits détails. Tandis que quand vous êtes à 1,25 millième, c'est une zone plus courte, donc vous êtes plus proche, mais du coup, les éléments sont un peu plus espacés. Ce qui vous permet de vous repérer un peu mieux. Regardez, ici on a un millionième. Un millionième, ça veut dire que la carte est très 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 grande, il y a beaucoup de choses dessus. Mais du coup, plus on est loin, moins il y aura de détails précis. Donc là, on est sur la carte de France. Donc, c'est toute la France qu'il y a dessus. Ici, on n'est que dans une petite région, les ballons d'Alsace. Donc forcément, on se rapproche. Et donc, on descend dans les chiffres. 1,75 millième. Donc là, on verra beaucoup plus de choses de la région avec un peu plus de détails. Donc, plus votre chiffre sera petit, plus vous serez sur une zone petite, donc avec beaucoup plus d'informations sur cette zone. Plus le chiffre sera grand, plus vous serez sur une grande zone, et donc vous aurez plus d'éléments larges, mais moins de petits détails. Donc ça, c'est vraiment à prendre en considération. C'est pour ça que quand vous faites une randonnée, je vous conseille de prendre une petite carte et non pas une carte de France ou une carte
régional carrément ou un département, prenez plutôt quelque chose de local, comme ça vous aurez une petite échelle et donc ça vous permettra de voir plus de détails. Donc par exemple, vous verrez une église à côté d'un truc, d'un cimetière, un terrain de foot, des trucs comme ça. Chose que sur la carte de France, vous ne verrez pas. Donc ça, c'est déjà quelque chose à prendre en considération. Ensuite, ce qu'on doit prendre en considération sur sa carte, c'est le quadrillage. Regardez, sur cette carte, ici, il y a marqué que à 1,75 millième, 1 centimètre est égal à 750 mètres. Et c'est là que votre boussole va être votre copine si vous avez une bonne boussole. C'est que regardez, sur votre boussole, vous avez une règle. Et elle est faite exactement pour ça. Donc vous savez que 1 centimètre est égal à 750 mètres. Donc vous voyez que là, dans un carré qui est comme ça, vous avez 2 centimètres. Donc ça fait 1 km 500. Un carré, c'est 1 km 500. Donc vous savez que si vous êtes sur une zone et vous devez aller dans un autre carré, à peu près dans la même zone, vous aurez 1 km 500 à vol d'oiseau, donc sans compter les dénivelés, les chemins et tout ça. Donc tout ça, il faut vraiment le prendre en considération. Ça vous donne une idée de la durée du trajet et aussi de la difficulté. Une fois que vous savez que vos carrés sont une certaine distance, une chose en plus à prendre en compte, c'est les dénivelés. Et là, on va se rapprocher de la carte et vous regardez que, par exemple, autour des sentiers, vous avez des petites vagues, des petites zones oranges comme ça. Ça, ce sont les distances de dénivelé. Là, par exemple, vous avez 600. Ça veut dire que là, nous sommes à 600 mètres d'altitude. Ce qui veut dire que là, vous avez 500. Voilà. Ici, 400. 400 mètres de hauteur. Et donc, je vais essayer d'en prendre deux assez proches, mais différents. Là, regardez. Ici, vous avez 600. Là, vous avez 500. Ce qui veut dire que là, on est à 500 mètres d'altitude. Là, 600. Donc là, vous savez très bien qu'il y a une descente. Ces choses-là, il faut les prendre en considération parce que vous savez que vous devez aller dans une certaine zone. Vous savez que vous devez soit descendre de la montagne, soit longer le côté de la montagne. Vous voyez, là, la zone, elle est pleine. Ce qui veut dire que c'est la crête de la montagne qui est à 600 mètres d'altitude. Donc vous savez que toute cette zone, c'est en haut. Donc si vous allez dans cette zone-là, vous serez en visuel de tout ce qu'il y a autour. Voilà, donc ça c'est les dénivelés. Et ça vous aide aussi à savoir la difficulté du trajet. Une fois que vous savez utiliser les centimètres de votre boussole, donc le nombre de kilomètres que vous allez parcourir, vous savez que les dénivelés sont à suivre, à franchir, à descendre, à monter, que vous avez la taille de votre carte, vous êtes déjà prêt à suivre une carte. Maintenant, on va parler de la boussole et de l'utilisation de la boussole sur la carte. Votre boussole, elle est constituée de plusieurs choses. Vous avez une ligne d'horizon ou une ligne de chemin. On va dire que c'est la ligne d'azimut. L'azimut, ça veut dire le chemin, ça veut dire la route à prendre. Donc quand on dit qu'on règle son azimut, ça veut dire qu'on règle son chemin sur la boussole. Ici, vous avez un cadran avec des degrés. Tous ces degrés-là, ça vous donne à peu près le degré de direction que vous allez prendre. Ici, vous avez un petit N qui veut dire le nord. Regardez, on cherche bien, il est ici, le nord. Donc là, vous avez le nord. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est vous dire, allez, je me dirige vers le nord, donc le nord, c'est dans cette direction, et se dire, ouais, mais le truc, il est un peu à l'est, donc il faut que j'aille à l'est. Donc, l'est, il est là-bas. Il faut que j'aille là-bas. Parce que le problème avec cette situation-là, c'est que quand vous allez vous faire des déplacements, vous devrez à chaque fois vous remettre dans le nord, regarder de nouveau votre carte par rapport aux indications qu'il y a autour de vous, et de nouveau regarder où est-ce que la zone est par rapport à l'emplacement où vous serez. Vous allez perdre vos informations, et vous devrez à chaque fois les rechercher sur la carte. Je vous montre comment on fait. Tout d'abord, vous allez prendre des repères sur votre carte. Admettons, on est, je ne sais pas, je dirais ici, ou là, ouais, là, sur la carte. On va se mettre au sommet de la crête pour avoir un visuel sur tout ce qu'il y a autour de nous. Donc on va ici, à 600 mètres d'altitude, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de zones qui sont à 600 mètres, donc voilà, en général c'est 400, 500, voilà, donc on aura une bonne visibilité sur ce qu'il y a autour de nous. Donc on va se mettre là-haut, on se met dans une zone bien dégagée, et on voit le village qui est à côté. Et on a des informations sur le village. Un cours d'eau, on a beaucoup de routes, on connaît à peu près la définition du village. Ici on sait qu'on a une route. Si on se place là-haut et qu'on voit l'autoroute, on sait déjà qu'on la regarde, donc on sera en direction de cette autoroute. Ce qui veut dire que moi, je regarderai vers l'autoroute qui est là. Ok ? Admettons, je veux me rendre, par exemple, à Bruyères, qui est ici. Donc ce que je vais faire, tout simplement, je vais mettre ma boussole comme ça. Je sais que Bruyères est dans à peu près nord,
nord-est. Donc moi, je vais me placer, quand je serai là-haut, je vais me diriger face à Bruyères. Je la verrai peut-être pas, mais je sais qu'elle est vers nord-nord-est. Donc je me placerai comme ça, moi. Et une fois que je suis en haut, je me mettrai avec Bruyères dans la direction de mon azimut. Je mettrai la carte devant moi. Je poserai ma carte face à moi, en direction de Bruyères. Donc Bruyères sera en face de moi. Ensuite, je tournerai mon cadran, qui est ici. Je le tournerai de façon à ce que le nord corresponde au nord de mon aiguille. Donc le N qui est sur mon cadran rond, je vais le mettre sur le nord. Ok, qui est là. Parfait. À partir du moment où vous avez fait ce réglage, peu importe dans la direction où je vais marcher, peu importe comment je vais me placer sur mon sentier, sur mon itinéraire, si je m'arrête, je vais remettre l'aiguille du nord sur le nord de mon cadran et je sais que je dois suivre la flèche qui est l'azimut. Ça, c'est la version avec carte. Vous savez comment placer la boussole sur votre carte. Je vois des gens qui sont comme ça et qui sont comme ça. Ça, faut pas faire. À l'armée, on vous explique bien qu'une carte, ça se pose et c'est tout. Maintenant, pour vous déplacer sans carte, vraiment sans repère, admettons, on a une ligne de montagne. On veut suivre cette ligne de montagne parce qu'on sait qu'au-delà de cette montagne, il y a un village. Eh bien, tout simplement, je vais regarder la montagne. Je vais mettre mon azimut en direction des montagnes. Donc l'azimut, rappelez-vous, c'est toujours cette flèche-là. Je fais une petite pause pour vous préciser un petit truc avant qu'il y ait les experts là dans les commentaires qui me balancent des conneries. Quand je dis que l'azimut, c'est la petite flèche au bout de la boussole, c'est pas vraiment le cas. Là, je simplifie vraiment pour que ce soit vraiment accessible à tous. L'azimut étant l'angle entre le nord et votre visée, justement. C'est pour vous dire, par exemple, que là, je règle mon azimut à 130, par exemple. Mais moi, je le simplifie pour vous dire l'azimut, c'est la flèche. Comme ça, vous vous repérez juste sur la flèche. En direction des montagnes. Et je vais aligner les deux nords. Le nord de l'aiguille et le nord du cadran. Le nord de l'aiguille, lui, il ne bouge pas. Donc, c'est forcément le cadran que je vais tourner. Donc là, je vais tourner mon cadran jusqu'à ce que le nord, il soit aligné. Voilà. Le nord de mon cadran est aligné avec le nord de l'aiguille. Si maintenant, je me déplace et que je vois plus trop les montagnes, je vois plus trop où est-ce que c'est, il y a trop d'arbres, il y a trop de végétation, on est un peu perdu, mais je vais continuer à suivre le même itinéraire. Ben, on va marcher, je vais me déplacer, je vais faire des sentiers, des trucs comme ça. À un moment, je vais me retrouver à un endroit, je serai un peu perdu, je vais regarder ma boussole. À ce moment-là, je vais aligner le nord de mon aiguille avec le nord de mon cadran, tout simplement. Donc je sais que... Voilà. J'ai aligné les deux nords, ben je sais que mon azimut il est là-bas. Donc c'est dans cette direction que je dois suivre. Utiliser une boussole, c'est ultra simple. À partir du moment où vous avez l'information visuelle d'une chose, que vous voulez garder le cap tout le long sur cette chose-là, si vous alignez les deux nords, vous retrouvez à chaque fois votre azimut, si vous les réalignez à chaque fois. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où vous avez votre boussole qui est prête, repérez les indications dessus. Par exemple, là, sur votre cadran, vous avez 310, le degré. Vous savez que votre azimut, il est à 310 degrés. Retenez bien ça, vous le notez même s'il faut. Comme ça, même si dans votre poche, hop, le cadran, il tourne. Voilà, je marche. Merde, je sors de la poche, il a complètement bougé. Azimut 310. Donc, je retourne. Azimut 310. Nord aligné avec le nord. Donc, azimut dans la direction de l'objectif. Tout simplement. Il existe plusieurs boussoles. Vous avez les boussoles comme ça. Donc là, pour retrouver son chemin, c'est compliqué. Parce que l'azimut, vous n'avez pas de cadran. Donc vous ne pouvez pas faire de réglage. Donc ça, vous vraiment avoir l'œil et connaître son terrain, connaître un petit peu sa boussole, la gestion de la boussole, pour pouvoir vous gérer. Ça, c'est vraiment des boussoles de secours. Vous avez les boussoles militaires. Où là, vous avez carrément... Ben moi, je ne l'ai plus. Il y a un filin d'acier normalement ici qui vous permet de faire la ligne de visuel sur l'azimut avec la petite loupe là. Ça vous permet de voir à peu près avec le filin les objectifs au loin. Mais en gros, ce sera toujours aligner le nord avec le nord. Donc le nord, ce sera ça, cette barre là, l'alignerez avec le nord. Et comme ça, après, vous savez que vous devez toujours aligner votre boussole et ensuite regarder l'azimut qui est ça ou ça. Voilà. Mais je vous conseille vraiment pas des boussoles militaires, mais prenez ce genre de boussole, c'est vraiment top. Chose à ne pas faire, je vais mettre mes boussoles. Voilà, tout se passe bien.
Donc moi, je suis un aventurier, j'utilise des outils, voilà. Je pose ma petite pince ici, voilà. Ou même mieux, je la pose là, tiens. Hop. Vous avez vu ce qui se passe? Toutes les boussoles, là, se dérèglent. Je te mets au milieu pendant une seconde. Hop. Regarde, elles tournent toutes. Je l'enlève. Vous avez vu ça? La boussole est aimantée aussi. Donc c'est pour ça que ne mettez rien de métallique autour. D'ailleurs, ne vous référez pas d'une boussole à une autre. Regardez. Ne faites pas de comparatif boussole. Regardez. Hop. Vous avez vu comme ça bouge? Ne jamais faire de comparatif boussole. Et c'est pour ça que je vous déconseille ce genre de boussole, parce qu'il y a du métal dedans. Le métal, c'est très mauvais pour une boussole. Prenez des boussoles en plastique. Et les gens qui accrochent leur boussole avec un mousqueton ou un porte-clés, ça vous donne une bonne indication. Sinon, autre chose, prenez jamais votre boussole en mer, tant que ce n'est pas une boussole marine. Il y a des boussoles marines avec un système de boules dessus, flotteur, qui vous permet de savoir où est le nord. En temps réel, une boussole comme ça, c'est pas fait pour aller sur l'eau. Donc n'allez pas faire une grande navigation avec une boussole comme ça. Pour ce qui est de la nuit, vous prenez vos réglages en journée et vous les suivez de nuit, tout simplement. Après, vous avez les étoiles, mais les étoiles, il faut connaître. Et ça, tout le monde n'est pas un expert. Je vous ferai peut-être un jour un truc sur les étoiles. Ne vous référez pas à des choses trop complexes pour vous. Basez-vous sur des choses simples. Donc là, vous avez compris comment on réglait une boussole, comment on suit un azimut, comment on lit à peu près une carte. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Ça, c'est la base. Dans le cas où vous auriez rien du tout autour de vous, pas de civilisation, pas de maison, aucune structure, vraiment vous êtes perdu, soit dans une forêt hyper vaste, soit dans une jungle, un désert, il n'y a rien à l'horizon. Donc si maintenant vous savez que vous devez aller au nord, vous suivez le nord de votre aiguille, vous suivez l'aiguille, tout simplement. Mais si maintenant vous êtes dans un désert, vous marchez, et que d'un coup, de très 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 loin, vous avez des jumelles, vous voyez quelque chose, vous faites exactement pareil que sur la carte. Vous le visez, vous alignez l'aiguille nord et le cadran nord. Vous enregistrez bien sûr le degré sur l'azimut, donc là c'est 120 par exemple. Et vous savez que peu importe quand vous allez marcher dans votre désert, que vous allez descendre en dessous des dunes, vous marcherez toujours en direction de l'azimut quand vous aurez aligné vos deux nords. Par exemple, vous avez un accident en forêt, vous êtes dans une crevasse, tout ce que vous avez devant vous c'est un vide. Parce que vous êtes au fond d'un ravin, vous avez un visuel devant vous, par exemple un pigeonnier ou une antenne, je sais pas moi, un château d'eau très très loin. Si maintenant vous voyez que le château d'eau il est dans cette direction, vous dites que vous voyez le château d'eau à 70 degrés nord-nord-est de là où vous êtes. Ça, eux, ils sauront que s'ils sont au château d'eau, ils regardent au sud-sud-ouest à 70 degrés et ils sauront que vous êtes dans cette direction. Voilà, et puis après c'est que des repères visuels. Donc vous voyez, c'est très très simple. À partir du moment où vous savez comment régler votre boussole, vous savez régler un azimut pour aller dans une certaine direction. Et avec ça, vous ne pouvez pas vous perdre, c'est pas possible. Et bien évidemment, si vous ne pouvez pas suivre d'une manière linéaire votre itinéraire, si jamais vous vous déportez sur la droite ou sur la gauche, il vous faudra reprendre les points de repère. Imaginons que vous partez 4-5 km à droite. Forcément, votre azimut va se diriger à 4-5 km à droite de votre objectif. Donc ce qu'il faudra faire, c'est reprendre la direction de l'objectif en reprenant un point de repère visuel. Évitez de se décaler trop de sa ligne de route. Donc j'espère que vous aurez compris le système de la boussole, comment ça fonctionne, comment utiliser une carte avec, ne pas mettre d'outils métalliques autour et comment bien régler son cadran. Et j'espère que ça vous sera utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je ne vous parle pas des points cardinaux, des calculs et tout ça, des degrés. Je vous fais pas de trucs trop compliqués parce qu'il faut que ça reste accessible à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la base de la survie, de la randonnée, du trek. En espérant que ça puisse vous aider un jour dans votre vie. Retenez bien tout ça. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller sur le site de skogonimmersion.com parce que il y a les inscriptions pour le stage d'hiver. Donc le stage d'agrissement d'hiver qui sera beaucoup moins cardio que l'opération Dole que j'ai donnée le week-end dernier où c'était vraiment très 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 cardio. D'ailleurs encore bravo à Théo et Nicolas pour leur participation au stage d'agrissement opération Dole qui ont vraiment été incroyables et qui se sont dépassés. Mais vous pouvez maintenant vous inscrire au stage d'agrissement hiver. Donc en janvier, c'est sur le site internet skogonimmersion.com.
Et vous avez déjà la date dessus. Il suffit d'aller dessus, de cliquer, inscrivez-vous. Et là, ce sera plus survie, vraiment. Comment gérer son camp quand il fait très froid. Comment gérer tout ce qu'on a autour de nous. Tous les tips que vous aurez en adéquation avec le froid et avec l'hiver. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez aussi acheter vos t-shirts sur le site internet. Faites attention à vous, car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao !